Bonjour et bienvenue, c'est Petit Chinois Dansé. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez kiffé en fait cette petite intro timelapse montage de vidéo et tout. Moi je vous avoue que j'étais pas mal fier de ma petite transition de cactus, je sais pas si tu l'as relevé, mais bon bref. Aujourd'hui je suis là pour vous annoncer le commencement, le début mon gars, d'un petit concours steampunk désertique. On en avait parlé vite fait dans les commentaires YouTube. On m'avait suggéré cette idée qui était très bonne, un peu à la manière du premier last build steampunk qu'on avait fait, qui avait donné la carte Icarus. D'ailleurs si ça vous intéresse vous pouvez aller voir, je vous mets un petit lien en fiche en haut à droite. Mais donc voilà, qui avait donné naissance à cette carte Icarus que j'avais beaucoup appréciée et beaucoup aimée en fait. Beaucoup d'émotions inclus dans cette carte. Et donc aujourd'hui, je vous propose un petit concours steampunk désertique justement sur le thème, comme vous l'aurez deviné, du steampunk désertique qu'on a fait en let's build. Bien sûr, moi je ne suis là que pour donner grosso modo une ligne directrice, mais je laisse libre cours à votre imagination pour divaguer et partir là où le vent vous emportera, là où votre esprit sera le plus créatif. Et à mon avis, vous allez me sortir des trucs intéressants pour ceux qui vont participer à ce concours. Juste en termes de contraintes du coup, puisque bon il faut un peu limiter dans le temps, je vous propose de m'envoyer au plus tard la carte, la création que vous aurez faite en 1.16.4, comme ça vous avez vraiment tous les blocs à votre disposition, au plus tard le 30 mai à 24h, donc 24h, donc la nuit du 30 mai c'est un dimanche, la nuit du dimanche à lundi. Comme ça, vous êtes vraiment large, normalement, vous avez largement le temps de faire des trucs intéressants. Surtout qu'en plus, il y a un petit week-end de 4 jours, les gars, qui arrive la semaine prochaine. Donc, je sais que certains d'entre vous allez pas mal build. Et d'ailleurs, je pense que ce sera pour moi l'occasion de faire un petit live assez sympathique. Hein, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de live, cette maison a été réalisée en live l'année dernière sur... C'était mon premier essai de steampunk désertique. Donc voilà, je vous la mets sur la carte que je vais vous mettre en téléchargement. Celle-ci, cette carte-là, vous l'aurez en téléchargement pour pouvoir étudier un peu ce qui a été fait en... qui a été fait en let's build, et puis étudier aussi cette petite maison. Voilà, je pense qu'il y a des petites il y a peut-être des sources d'inspiration qui peuvent vous aider. Donc voilà, je vous les mets en téléchargement, vous avez le lien Mediafire dans la description, donc allez checker hein. Voilà, c'est cadeau les gars, gratuit, même pas besoin de sub hein. D'ailleurs si t'aimes le contenu n'hésite pas à t'abonner hein, à la chaîne bien sûr, et à laisser un petit commentaire, mais bref. Donc ouais, cette maison avait été réalisée en live live Twitch il y a quelques temps, donc c'était mon premier essai de steampunk désertique, sachant que le deuxième c'est celui qui a juste derrière. Donc voilà, comme quoi il y a quelques innovations un peu intéressantes. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer aujourd'hui pour cette petite vidéo très courte, mais nécessaire. Courte, mais nécessaire. Ce fut court, mais intense. Court, mais utile. Bref, trêve de bavardage, je vous laisse à vos builds et je vous dis bonne chance, bon courage, bon build, et on se dit à la prochaine, peut-être en live, peut-être en vidéo, qui sait de quoi demain est fait. Allez, salut et bonne soirée.